Le journal. C'est le 19h sur la RT Éduc et dans les principaux titres. Converger toutes les énergies vers la réussite de la dissertation française, c'est l'appel que lance le syndicaliste Daniel Bikenge qui tient à une session nationale s'étenant dans les conditions maximales en prélude des examens d'État. Le tout puissant Mazembe Englobert est à 24 heures d'assurer sa qualification au final de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football 9 ans après, mais avant il faudra sortir le national Al Ahly du Caire, 11 fois champion d'Afrique. C'est l'heure de vous informer sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous. Il se tiendra le lundi 6 mai 2024, la dissertation nationale sur toute l'étendue du territoire, sur toute l'étendue du territoire national en prélude des examens d'État. Et les élèves finalistes se préparent quant à ceux. De sa part, le syndicaliste Daniel Bikenge appelle toutes les parties qui se prêteront à sa tenue à veiller sur les prescrits afin de déboucher sur une bonne organisation. On l'écoute. Le message, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du ministère de l'EPST. Nous pensons qu'il y a les services techniques appelés inspection. Donc nous souhaitons que l'inspection générale, qu'elle puisse mettre toutes les batteries en marche de manière à ce que cette épreuve puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a souvent, surtout à l'intérieur, nous savons qu'actuellement, il y a maintenant et l'expédition des mâles, que l'inspection générale se rassure que dans tous les coins et les recoins du pays, les mâles qui partent et qui sont expédiés seront quand même accueillis dans de bonnes conditions et que ces mâles-là seront bien acheminés jusqu'au fond du pays de manière à éviter toute forme donc des boycotts, notamment dans des provinces où il y a la guerre, telle qu'à l'Est là. Parce que là, nous savons que l'ennemi de la paix peut toujours tout faire. Alors là, l'inspection générale a l'obligation, à mon avis, de faire en sorte que dans des coins, et surtout les coins qui sont menacés par la guerre, que ces coins-là soient visités par les mâles un peu bien avant, de manière à permettre que les examens de la dissertation se déroule dans les bonnes conditions. Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est par rapport aux élèves. Les élèves congolais passent les évaluations de la dissertation dans une période qui est tellement particulièrement dépassée ou bien menacée, caractérisée par la guerre. Alors, les Congolais vivent actuellement sous psychose de la guerre. Alors, nous invitons les élèves à affronter ces examens avec un moral très haut. Cap sur la province éducationnelle de la Lukunga où le provède Jean-Pierre Yeuil a tenu à rappeler aux enseignants sous son autorité à mettre un accent sur les missions d'un enseignant, son rôle, sa valeur afin de donner le meilleur d'eux-mêmes au moment de la dispensation de la matière. Pour une gestion transparente des frais de fonctionnement alloués aux sous-divisions de la province éducationnelle de la Lukunga. Après s'être entretenu avec les sous-proveds et membres des comités de gestion, Jean-Pierre Yeuil a tenu une autre réunion avec une représentation des enseignants de sa juridiction pour leur montrer leur rôle, mission, la valeur d'un enseignant ainsi que comment ces derniers doivent se comporter. Si nous avons opté travailler à l'enseignement, ça montre que nous avons un rôle primordial à jouer parce qu'il s'agit ici de l'éducation intégrale. Donc de l'enfant. Et on ne peut pas blaguer avec l'éducation intégrale de l'enfant. Pourquoi? Parce que vous savez que ce pays demain serait donc dirigé par les enfants que nous sommes en train de diriger et d'éduquer aujourd'hui. Et il faudrait que ces enfants-là puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Les chefs d'établissement, les enseignants qui ont pris part à cette réunion de sensibilisation souhaitent que cela devienne une coutume. Surtout en début de l'année, pour réaliser un rendement meilleur en faveur des élèves, mais aussi pour eux-mêmes.
une journée instructive pour nous enseignantes, une journée première. Moi, je peux l'appeler en quelque sorte l'atelier, puisque il nous a parlé de la relation entre nos chefs et nous-mêmes. Il nous a tiré l'oreille à propos du programme scolaire, de la matière que nous devons donner aux enfants tout au long de l'année scolaire. J'aurais voulu que ce genre de réunion, ce genre de travail, de séance de travail, soit faite au début de l'année où on pousse les gens, on donne des orientations au début pour qu'ils puissent bien travailler, l'étendre sur l'année. Jean-Pierre Yeuil a rappelé aux enseignants que l'enfant doit être mis au centre des enseignements tout en martelant sur l'élimination des antivaleurs dans leur milieu de travail. Avant sa rencontre avec les enseignants, Jean-Pierre Yeuil a eu un entretien avec les sous-provèdes et les membres du comité de gestion à qui il a eu indiqué qu'il veillera désormais sur la traçabilité des fonds alloués par l'État congolais pour le bon fonctionnement des activités de sa juridiction. Regardez. Pour une gestion transparente des frais de fonctionnement alloués aux sous-divisions de la province éducationnelle de la Lukunga, c'est autour de cette thématique que le provède Jean-Pierre Yeuil a réuni ce jeudi tous les chefs de ses sous-divisions ainsi que les membres du comité de gestion. Il faudrait que chacun de nous puisse s'inscrire dans la logique du respect donc de la lettre du secrétaire général, monsieur le secrétaire général, numéro 0815. Du 13 mai 2021 qui donne des mécanismes efficaces donc aux gestionnaires des écoles de pouvoir bien gérer les frais de fonctionnement alloués par le trésor public sans problème. Les sous-provèdes et membres du comité de gestion se disent très motivés et surtout prêts à prôner la traçabilité dans la gestion des frais de fonctionnement mise à la disposition des entités qu'il gère. Il a essayé de nous exhorter, c'était un message de prise de conscience. Il a demandé à ce que nous ne puissions pas plus dormir parce qu'on a trop dormi. Alors c'était juste des conseils par rapport à tout ça. Il a donné d'abord les attributions des sous-provèdes, des chefs de personnel qui est l'adjoint sous-provède par rapport à la gestion des frais de fonctionnement. Les attributions de comptables et les attributions de délégués du personnel. Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédévabilité, c'est le thème de l'année et en même temps l'objectif que s'est fixé Jean-Pierre Yeuil qui tient au bon fonctionnement de sa juridiction à travers la lutte contre les antivaleurs. Il a été conçu un manuel d'apprentissage de l'anglais avec le but de faciliter l'appropriation de cette langue internationale pour les élèves congolais. Cette œuvre d'esprit est un fruit des Congolais qui prend en compte les réalités congolaises et l'influence des différentes langues maternelles. Je vous propose de suivre quant à cela l'inspecteur général adjoint en charge de la formation de l'enseignement secondaire, Honoré Bonkumbu Kobio. Des manuels d'anglais contenant des réalités congolaises et écrits par les Congolais, voilà tout l'essence de ces ouvrages qui vont servir dans un premier temps pour les élèves des 7e et 8e du cycle terminal de l'éducation des bases. Honoré Mbonkoumou Kobio, inspecteur général adjoint chargé de la formation de l'enseignement secondaire et un des écrivains de ces manuels d'anglais, explique ici la finalité de ces ouvrages. Vous rappellerez bien, depuis que nous avons étudié, nous avons utilisé toujours des manuels qui viennent d'ailleurs, des manuels que vous connaissez, comme English for Africa, etc., etc., ont été conçus par les West Africains. Mais aujourd'hui là, les fils et filles de la République démocratique du Congo ont mis sur pied des manuels d'anglais typiquement congolais, avec des réalités congolaises. Parce que nowadays, English are books using the rotating task strategy. C'est-à-dire, il y a une nouvelle méthode d'enseignement d'anglais pour la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous invitons pour l'année prochaine tous les apprenants à travers
travers leurs enseignants, parce que leurs enseignants ont déjà ces manuels. Il reste maintenant que les apprenants également aient ces manuels, parce que l'objectif est que, à l'issue de l'année scolaire 2024-2025 qui arrive, à leur fin, c'est-à-dire à la fin de cette année-là, que nos apprenants de 7e et des classes de 8e parlent anglais, comme ils parlent français. La méthode utilisée peut les aider à parler couramment anglais comme ils parlent le français. À retenir que ces manuels sont officiels, agréés par l'État congolais et véhiculés par le Service national des formations, Cernafor. On va prendre maintenant la numérisation du système éducatif congolais. L'heure était de ce jeudi 25 avril 2024 à la poursuite de la session de formation à la province éducationnelle de Lafouna. Après le sous-préfet administratif des écoles, la place était faite au préfet des écoles. Initiée par la société d'ENEV NIC Congo, cette session se tient au lycée Toyokana. Lydie Malé. Organisée par Devenir Congo avec l'appui du ministère du numérique et celui de l'EPST, cette formation avec les chefs d'établissement venus des différentes écoles de la FUNA avait pour but de mettre en ligne les données des écoles privées et agréées sur le site numérique ikelasi.cd, ceci pour faciliter la géolocalisation de ces établissements scolaires, l'identité des élèves ainsi que celle des enseignants. Ça fait déjà 2 semaines que nous sommes en train de faire une sensibilisation par rapport à la plateforme ikelasi. Et nous avons voulu rencontrer les chefs d'établissement parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés avec leurs délégués qu'ils ont envoyés pour recevoir une formation. Alors, ils ont été convaincus. Il y a autour de 150 à 160 chefs d'établissement aujourd'hui ici qui nous ont suivis attentivement et qui ont adopté la plateforme ikelasi. Cette plateforme est pour nous d'une grande importance, le fait que ça nous rapproche écoles, parents et élèves. Vous voyez qu'on a connu une situation de Covid ici il n'y a pas trop longtemps. Nos écoles avaient des problèmes sérieux pour finir le cours. Alors cette histoire ici vient accompagner le secteur de l'éducation et le système scolaire congolais pour que nous puissions nous débarrasser des paperasses et autres, de manière à ce que tout soit numérisé et avoir l'information à temps réel. Avec cette idée, ça sera aussi possible de se communiquer entre l'école et les parents. C'est facile à connaître les informations, tout ce qui se passe, même les devoirs qu'on a donnés. Des fois, les devoirs, ce n'est pas bien expliqué ou bien l'enfant n'a pas compris. C'est facile maintenant, à la maison, avec l'école, les parents puissent transmettre les informations et ça va aller avec les parents, avec les compréhensions des devoirs. D'après les participants, ce projet vient pallier le problème de paperasse qui autrefois ralentissait le travail. Il est à retenir que le coup d'envoi de ces activités a été donné par le représentant du ministre du Numérique, Maître Bernard Bouloukou. Et cette formation a débuté dans le district de la Mouamba et se poursuit dans les 2 autres districts restants de la ville de Kinshasa. Moi, en tant que sur l'élève. Le monde célèbre ce 25 avril 2024, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. L'objectif de cette journée est de faire connaître et comprendre le paludisme, mais également fournir les informations pour la lutte antipaludique. Et l'occasion de souligner la nécessité d'un engagement durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Cette journée a été instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. Malgré les efforts, le paludisme demeure un grave problème pour l'Organisation mondiale de la santé. Selon le rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde en 2022, près de 249 millions de personnes sont atteintes du paludisme, un chiffre en hausse de 2% par rapport aux années précédentes. En RDC, cette maladie est la première cause de mortalité avec 13 000 décès sur un total de plus de 21 millions de cas. Les nourrissons et les jeunes enfants représentent environ 80% de mortalité. Hormis les enfants et les femmes, d'autres groupes tels que les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées sont également répertoriés. Cependant, les recherches sont en cours sur la mise en œuvre de nouveaux traitements préventifs, curatifs, qui permettent d'éradiquer la maladie. En République
démocratique du Congo, on parle de plus en plus des avancées très significatives en cette matière, avec plusieurs actions mises en place par le PNMLS, Programme national de lutte contre le paludisme, qui vise surtout à réduire le taux de morbidité et de mortalité dû au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, sans oublier la réduction du fardeau socio-économique dû à cette maladie. Et pour une lutte efficace, le programme de lutte anti-paludisme recommande notamment aux enfants comme adultes de dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée, mais aussi d'entretenir l'environnement dans lequel on... Allez, on va prendre au sport. Le TPS Mazembe-Englebert joue ce vendredi 26 avril 2024 son ticket qualificatif à la finale de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. Oui, Mazembe compte y prendre part pratiquement 9 ans après sa dernière finale. Et bien, cette dernière remonte à 2015. Mais avant, il faudra au club anglébertois soit de battre le national Al Ahly du Caire, 11 fois champion de cette Ligue des Champions, ou encore lui faire concéder un match nul avec but. En conférence de presse d'avant-match, le coach du TPS Mazembe-Englebert, j'y arrive, Lamine Diaye s'est plutôt montré plus optimiste quant aux chances de son club de rallier cette étape finale de la compétition. Et on sait qu'on aura un match très très difficile parce que bon, Ahly c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Hein, et qu'on est venu défendre nos chances qui sont de 50-50 aujourd'hui. Quand on joue ou quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Ahly fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément il faudra battre les meilleurs, tout simplement. Voilà, en cas de qualification de Mazembe en finale, eh ben, le club congolais s'assurera de la participation à la prochaine édition de la Coupe du Monde de club de la Fédération Internationale de Football Association. Cette première partie du journal a pris fin. Place à la revue de presse. Christine Chibouka nous a rejoint pour la présentation de cette revue de presse. Bienvenue. Merci, Passion. Alors, on va ouvrir justement cette revue avec ce titre dont la réalité a pratiquement fait la une des discussions de Quinoa aujourd'hui. Hausse de prix de carburant en République démocratique du Congo. Évidemment, Passion, quelques jours après l'instruction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, lors de la 133e réunion du Conseil des ministres, un nouvel arrêté a été pris par Eustache Mouanzi, ministre AI de l'économie nationale, revoyant à la hausse le prix des carburants. Actu 30.cd indique que les motivations du gouvernement se justifient par le souci de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et à réduire le coût budgétaire de la subvention pétrolière qui pèse lourdement sur le trésor public. Cette décision du gouvernement commente sa part. Actualité.cd intervient au moment où la ville-province de Kinshasa semblait déjà faire face à une nouvelle situation de pénurie, comme ont témoigné les longues files dans les différentes stations de service. Nos confrères de RadioCapi.net soulignent que cette hausse de prix ne concerne que les régions nord et ouest constituées des villes telles que Mbandaka, Kisangani, Akiti, Bumba et du territoire d'Akoul, l'Équateur, Congo central, du Kwango, du Kwilu, de Maïndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi, de la Tuapa, Boende et de la ville de Kinshasa.
On comprend donc que cela concerne la partie nord-ouest de la République démocratique du Congo. Voilà, justement, où il y a eu la hausse de prix de carburant. Votre deuxième sujet concerne le retrait de troupes de la MONUSCO. Et bien, les casques bleus pakistanais, on voit, de quitter les RDC après plus de 20 ans de service. Elle est par actualité .cd passion. Après plus de deux décennies de présence, le casque bleu de la République islamique du Pakistan s'apprête à quitter la République démocratique du Congo, où ils ont joué un rôle crucial dans la stabilisation de la province du Sud Kivu. Ce départ marque une étape significative dans le plan de désengagement progressif de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, entamée en janvier 2024. Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a souligné que le départ de la MONUSCO de la province du Sud Kivu ne signifie pas la fin de l'engagement des Nations Unies en RDC. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies demeureront actifs et continueront à fournir un soutien selon leurs mandats respectifs. RadioCapi.net rapporte que depuis 2003, justement date de leur premier déploiement, plus de 100 000 casques bleus pakistanais ont servi dans le sud Kivu et 31 ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, rapporte un communiqué de presse à MONUSCO. Voilà, c'était à votre revue de presse présentée et sélectionnée par vous-même. Je vous dis merci. Je vous en prie, patient. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal sur la RT Duc. On prend rendez-vous pour demain 19h.